Vous pensez avoir découvert Florence Foresti à la télévision en 2003 dans le 20h d'Hypétente de Stéphane Bern ou dans On a tout essayé avec Laurent Ruquier? En réalité, 2 ans plus tôt, la jeune femme avait déjà fait une apparition remarquée à la télévision. Le 31 août 2001, la jeune femme était l'une des premières invitées du Burger Quiz d'Alain Chabat, sur Canal+. Dans les colonnes du Parisien, ce samedi 2 janvier, celle qui est désormais considérée comme l'une des plus grandes comiques françaises revient sur cette aventure dont elle ne garde pas un très bon souvenir. Je ne sais pas comment, mais je reçois ce coup de fil un jour sur mon gros Nokia bleu. On me parle d'une nouvelle émission avec Alain Chabat. Ils voulaient des gens de la société civile, alors quand je leur ai dit que j'étais comédienne, ça ne devait pas se faire. Mais ils m'ont prise quand même. J'ai fait une crise d'angoisse pendant toute l'émission, je n'étais pas à ma place, explique Florence Foresti. Florence Foresti a-t-elle participé à Burger Quiz depuis 2001? Sur le plateau du Burger Quiz, en août 2001, la jeune Florence n'était pas parvenue à cacher son stress et son angoisse. Elle en avait d'ailleurs parlé à Alain Chabat qui avait tenté de la rassurer. Tombée dans l'équipe Ketchup composée de Samina Seri et Elise Moon, la future star de l'humour avait battu son adversaire de l'équipe Maillot pour se qualifier pour la finale du jeu. Avec seulement 5 bonnes réponses, elle avait alors remporté le petit burger de la mort. Depuis le retour du programme sur TMC, en 2018, Florence Foresti n'est pas encore apparue dans le restaurant fictif d'Alain Chabat. Une nouvelle participation pourrait pourtant lui permettre de gommer les mauvais souvenirs de 2001.